Merci de votre présence à cette conférence de presse qui va permettre à la ville d'inaugurer, je dirais, inaugurer un tout nouveau projet créatif, culturel, ici même en plein cœur du centre-ville. Et pour vous en dire davantage, j'invite, sans plus attendre, la mairesse de la ville de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste. Stéphanie Lacoste, bonjour. Bonjour. Bonjour, en fait. On profite déjà du spectacle au centre-ville. Parle-nous de cette belle invitation aux gens à venir se profiter du spectacle, en fait, immersif comme au centre-ville. Effectivement, c'est une nouveauté. On veut faire découvrir aux gens l'art immersif visuel. C'est extraordinaire. Projeté sur notre basilique pendant bientôt 100 ans, c'est un mélange parfait pour passer un agréable moment et ensuite aller profiter de nos restos au centre-ville. En effet, en fait, on a aménagé la place Saint-Frédéric également. Il y a en fait une ambiance festive, on peut dire musique, éclairage, lumière, tout est là pour se faire petits et grands. Et voilà, vous pouvez profiter de notre village ici à Saint-Frédéric, mais aussi au Parc Mondial ou à la promenade Rivière. Donc, on invite également les gens à profiter, en fait, pour un mois complet de ce spectacle au centre-ville. Jusqu'au 19 décembre, ça va nous permettre de passer à travers la grisaille du mois de novembre. On invite les familles aussi à venir profiter du centre-ville ici, du parc. Effectivement, des commerces, c'est une belle occasion. Effectivement, c'est le temps de magasinage des fêtes. Les commerçants sont prêts à vous accueillir. Ils ont bien décoré leur magasin. C'est chaleureux, c'est accueillant. Venez nous voir. Excellent, merci, Mme la mairesse. C'est en fait, quel beau projet. On va en profiter dès maintenant. Merci beaucoup. Merci. Émilie Grandmont-Birbeau, bonjour. Bonjour. Bonjour, tout un événement qui se prépare ici au centre-ville de Drummondville. Parle-nous un peu. Absolument, mais c'est très excitant. En fait, on commence avec la projection Catherine Lamour. On organise une soirée de live jam, donc une soirée festive, musique électronique, vendredi le 3 décembre prochain, de 18h30 à 22h. Donc, pour réserver en ligne nos places, le passeport vaccinal va être demandé à l'entrée. C'est vraiment une soirée qui est plus nichée. La projection s'adresse à un grand public. En fait, tout le monde peut s'émerveiller de ça. La soirée de live jam s'adresse vraiment plus aux jeunes, aux amateurs de musique électro, pour profiter de cet espace-ci en plein air. Ben, en fait, c'est un peu le sommet dans le temps des fêtes et dans l'ambiance des fêtes, c'est un peu l'idée. Absolument. Excellente vérification. On rappelle les dates et de quelle façon on se présente à l'événement? Donc, la date, c'est le vendredi 3 décembre et on réserve en ligne sur le site web de la ville de Drummondville. L'invitation est lancée, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.